Alors, les petits lavalets, donc on est reparti, là il est quoi? Il est 21h30. Et bah voilà, on va passer un petit temps de la soirée ensemble. Et donc oui, ça y est, les premiers avis, les tout premiers avis concernant RE8 commencent à tomber. Et bah, je pense qu'il va bientôt se faire défourailler comme il se doit. Et vivement, vivement. Il me tarde d'entendre un petit peu ce qu'il va se dire, surtout de mal, parce que de toute façon, je ne l'encadre pas déjà directement. J'ai vu tout à l'heure sur Instagram une photo, alors c'est peut-être une image promotionnelle ou je ne sais quoi du jeu. C'est une grande étendue verte. Voilà, je sais même plus s'il n'y avait pas un grand soleil ou ce genre de truc, avec un traçage de, vous savez, comme sur les terrains de football, les traçages blancs là, sauf que ça dessinait un loup-garou quoi, enfin un loup sur une étendue verte comme ça. Et puis ouais, dans le fond t'as des montagnes, peut-être un village, hein. Ça aurait été stupide de pas mettre un village, il s'appelle comme ça, mais je crois que c'est ça quoi, sérieux. Enfin ouais. Faites-moi plaisir, descendez-moi cet étron, quoi. Sérieux, hein. Laissez ce genre de game là à d'autres personnes, à des personnes qui connaissent pas RE, qui n'aiment pas ça. Voilà. Alors on y va. Chargez la partouze. Et vas-y. Ah putain, c'est ultra rapide hein, pour charger. Donc j'ai toujours mon arc de gros bourrin, voilà. On va pouvoir y aller. Ouais, je peux en mettre 18 max. C'est marrant quand même, parce que c'est quoi ça? C'est un coffre, c'est quoi? C'est une baignoire ou quoi? Parce que c'est pas un coffre en fait. C'est autre chose. Alors attendez. Ouais, vas-y, je vais prendre la grosse machine là. On va y aller comme ça. Voilà. Et puis on va aller fouiller la baraque, parce qu'on a toujours pas trouvé la madré, hein. Elle doit être encore au-dessus, je suppose. C'est tout ce que j'avais comme clé, n'est-ce pas? Ouais, c'est tout ce que j'ai comme clé. Bon. Je peux pas aller au-dessus. Je peux pas aller au-dessus. Je peux pas aller au-dessus. Bon, on va descendre. Il y avait la salle de bain que j'avais pas fouillée, me semble-t-il. Ah oui, il y a un trou là. Putain, j'ai pas lu tous les trucs. Putain, il va. Oh, je suis désolé, j'ai zappé de les lire. Bon, bah écoutez, on va y aller comme ça, puis c'est tout, hein. Faudra vraiment que je dise ça par la suite, et puis que j'oublie pas surtout. C'est la première fois. Je vais mettre no. C'est la première fois que je vois qu'on peut ramasser une plante et qu'elle est renversée par terre au sol comme ça. J'ai jamais vu ça dans RE. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre? Il aime pas. Oui, il aime pas. Ça marche bien ce putain d'arc. Ok, alors on va l'embarquer. Ici, je peux pas passer là. Un trou pareil, je peux pas passer. Bah écoutez, bon. Non, je peux pas. Je peux pas aller plus loin non plus. Bon. Ouais, il va falloir qu'on fouille un petit peu la casse-bas. Putain, là-bas, c'est assez rapide hein, quand même. Ça, c'est cool, hein. Et on peut pas leur laisser trop de chances de s'approcher. Bon, ouais, il va falloir que je flingue tout le monde. De toute façon, il faut qu'on fouille bien cette casse-bas là. Parce que la madré, on l'a pas retrouvée. On l'a pas trouvée. Recule, hein. En leur tirant dessus, ils ont un certain recul, du coup ils peuvent pas s'approcher. Bon alors hop, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Rien dans le fridge là, y a rien non plus.
là, que dalle. Bon, on a une porte là, juste là-bas. Je crois que j'avais dû fouiller hein, la partie précédente ici. Ça, c'est quoi? Fermé. Une clé pique, si je dis pas de conneries. Donc ici, c'est quoi? Ah bah ouais. Ouais, j'y étais déjà allé ici. Je crois qu'il va falloir qu'on essaie de... Ah, voilà. Donc, on va pouvoir y aller. Voilà, j'ai vaqué cette clé, elle nous servira plus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des clés barres. Des daubers. Bon. Venez les copains. Elle fait pas beaucoup de bruit. Va claquer ou quoi? Combien j'ai bouffé là? 10%. Ok. Y'a rien d'autre. Que dalle. Y'a encore une note. C'est hallucinant. Hein. Hallucinant toutes les notes qu'il y a. Vous savez quoi? Il va falloir que je les lise quand même. Il va falloir que je les lise. Il y a beaucoup trop de choses là, quand même. Je commence à avoir des doutes et à me dire quand même que c'est quand même assez important. Clé-cœur. C'est quand même assez important et... Enfin, le mec s'est fait chier à faire ça quand même, donc... Bon, ça ira avec le détonateur. Je suppose. Et donc, il va falloir que je les lise quand même. J'ai dû ranger ça dans les dossiers, dans tous ces dossiers. Il n'y a pas autre chose là dans les... Putain de caisse à chat là. les valises à chat. Ouais, ok, ta 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 ta. Ici non plus, rien. Voilà. Bon, on a la clé cœur, on va aller au-dessus. Et ici, non, non, non. On va aller ouvrir la porte du dessus avec la clé cœur. Voilà. Voilà ce qu'on va faire déjà. Et puis je vais en profiter aussi pour ranger ce qu'il y a en trop là dans mon inventaire. Inside the Freco. Comme la, l'explosif là, le truc à bombe là, je sais plus quoi. Mais ouais, mais qu'est-ce que c'est en fait? Ça, c'est pas un coffre, c'est quoi? C'est un lit. Enfin, un lit dans une salle de... Non, dans les chiottes, c'est pas possible. C'est une baignoire. Ouais, on croit qu'il y a un robinet, là, avec une touche telle. Ça doit être une baignoire, hein. Ah, le modeur, il nous a fait une baignoire coffre. Pas mal, pas mal. C'est original. Alors, voilà, donc ça, je vais le mettre là. Hop. Ça, je vais le mettre ici. Il n'y avait plus d'herbe verte, hein, je crois. Non. Non, 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 non. Donc là, on a le détonateur. Est-ce que je pourrais... Je sais pas trop si je peux faire ça, mais on va essayer quand même. Combiner. Combiner, c'est le truc, là. Et ben voilà. Donc on va pouvoir aller faire péter les rochers juste après. Voilà. Hop. On va déjà aller ouvrir la porte, donc. C'était celle-ci. Ok. La seule porte qui s'ouvre avec la clé de cœur. Voilà, voilà la madré. Ça me rappelle étrangement la fille de Brian Irons. Je sais pas si vous avez pensé à ça. Rien. Bon, elle avait une robe blanche, mais... Ça m'a fait penser tout de suite à ça, quoi. Alors, Beverly Walker, ouais, c'est carrément l'histoire de la famille, quoi. Bon, écoutez, il faut absolument que je lise ça. Je crois que je vais faire une petite pause. Vous savez quoi? Je vais faire une petite pause. It's her mother. She lost a lot of blood.
I need to check if Beverly is still okay and tell her about her mother. Ouais. Bah, bonne chance. Ça doit pas être facile à avouer, à dire, quoi, à expliquer. Surtout une piote, quoi. Écoute, j'ai retrouvé ta mère. Elle est morte, elle a claqué. Je crois qu'elle s'est tranché les veines. Voilà, voilà. Elle a dû se flinguer. Je ne sais rien. Mais enfin. Dans les dossiers. Ouais, je vais faire une pause, vous savez quoi? Je vais. Ça fait 10 minutes 33 là. Je vais faire une petite pause, bouquiner les dossiers et ensuite je reprendrai après. C'est pour ça que je vais sauvegarder tout de suite. Je vais sauvegarder direct, comme ça on recommencera ici. Heureusement qu'ils nous ont filé. Enfin, qu'ils sont paradins avec les clés USB quoi. Parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est cool. Donc on va prendre celle-là. Hop. Et on va enregistrer comme ça. Ok. Yes. Vas-y. Voilà. J'espère que ça va pas se corser après ou qu'on va être un petit peu dans. Enfin qu'on va être dans la merde et tout parce qu'on n'a pas assez de save. De clé USB en l'occurrence. Parce que ce serait un peu con, puis bon, faut bien avouer quand même que là, bon, ça sert pas à grand chose quand même que je sauvegarde à ce moment. Mais c'est parce qu'il faut quand même que je lise les. Faut que je les lise les dossiers. Attendez, il y en a trop. Ça doit sûrement bien parler de la famille et tout. Je suis sûr que c'est intéressant quoi. Donc je vais faire la petite pause. Et je reprends donc juste après en fondu enchaîné. Donc j'ai bouquiné vite fait les dossiers. Bon, il n'y a rien de très, très important non plus, mais c'est vrai que ça met en place le background, disons. Et bon, pour être plus dans l'histoire, c'est quand même important. Et en fait, il s'avère que l'infection zombifiante s'est déjà propagée depuis un petit moment dans le jeu, là, quand on dans ce mode. Et... ils ont essayé de soigner la piote, leur piote en fait là, parce qu'elle a dû choper une merde, et son état était un peu en dents de scie en fait, façon de parler, mais il y avait des hauts et des bas, et au départ ils voulaient pas la soigner sous les conseils d'un toubib qui leur disait de lui administrer je ne sais plus quoi comme truc médical quoi, mais ils ont fini par accepter. Alors elle, enfin la mère, à un moment dans les dossiers, elle parle à un gars qui s'appelle Bert, je crois, et alors ça doit être le père, j'imagine, mais il est pas là. Elle se demande s'il est toujours en vie, donc ça, à mon avis c'est le père. Mais là, ce que je soupçonne, en fait, c'est que quand on va redescendre pour aller voir la piote, bah, ça m'étonnerait pas qu'elle soit zombie ou que ce soit un petit boss ou quoi, ça ce serait bien cool, quoi. Ce serait bien dans l'histoire. Et... bah c'est ce que ça suggère en fait, hein, les dossiers. C'est ce que ça suggère. Alors on va aller vérifier ça, puisque de toute façon là, je crois qu'on a. On a à peu près tout fait. Bah on a tout fait, on a tout fouillé. J'ai assez de missions. Et puis voilà. D'ailleurs c'est pas mal aussi qu'il y ait. Plusieurs toiles comme ça, plusieurs photos justement de cette piote. Bah, a priori, c'est cette piote, hein. Qu'on la retrouve un peu partout comme ça. Bon, il n'y a pas de description par contre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas elle se transformerait à ce moment? On va voir ça. Puis la mère, je sais pas si elle s'est flinguée. Bon, à mon avis, elle a dû se flinguer, mais enfin, j'en sais rien. Ah non, la piote nous a dit qu'elle s'était fait attaquer. Elle s'était fait attaquer. Bon, d'une façon ou d'une autre, il y en a bien une qui va revenir à la vie après avoir crevé. Beverly, tiens, voilà. Elle s'est transformée. Elle a dû se transformer. Ah non, d'accord, putain, mais c'est... What? Elle s'est fait éclater par... Par cette espèce de fils de pute, là.
sais pas par contre. Je sais pas trop si on va y arriver. Ah, un petit peu de recul là. Mais putain, mais. Chargé là ou quoi l'enfant? J'ai vu ça. Non. C'est bon, je l'ai eu. Putain, hé, sans le voir. C'est bien. En terre. Oh, t'avais dû se faire défoncer la piote en fait. Le vernis peut venir. Ta-ta-ta-ta-ta. Avec un... Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue là? Ah non, c'est la mère de Beverly Hills, quoi. Ah, putain, la vache, elle s'est transformée. Elle s'est vachement transformée, putain. On dirait Père Birkin avec une robe de chambre, quoi. Sérieux, même. Je croyais que c'était lui au départ en plus. Avec la musique et tout. Ah, mais elle parle encore alors, My Daughter. Père Birkin en robe de chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, coucou! Ah, mais là, je vais claquer! Écoute, mon pote, on va faire ce qu'on peut, mais là, je crois que je vais. On va pas y arriver. Je n'ai pas assez de patates pour courir, m'échapper. C'est pas possible, il va me foutre une torgnole, quoi. C'était sûr. Bon. Vas-y. Il va falloir qu'on recommence. Qu'on recommence tranquillement. Putain. Resident Evil. Bon. Alors. Donc on a un Mister X qui se pointe. Ouais, on va peut-être prendre un peu de bouffe. Ça pourra nous aider. Ça, bon, on va le recharger. Je crois qu'on devrait en avoir assez quand même. Sérieux. Toc, 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 toc. On pourra prendre ça aussi, hein, tant qu'à faire. On ira directement faire péter les rochers. Voilà. Bon, allez, on y va. Putain! Sacré torgnole quand même!
cette balle. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette caméra? Mais putain, mais je t'ai dit de courir, espèce de blaireau. Putain, le temps qui remballe son arme de merde et puis qui se casse, tu vois, je me prends une torgneule. Oh la vache de merde, putain de merde! Mais putain, mais tu vas crever, saloperie! C'est moi qui vais crever là, est-ce que je peux me barrer? Non. Putain, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous fait, cet enculé là? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est métamorphosé en gros. Putain, présente de caméra, mais c'est trop. Bon, alors c'est bon. Putain, la paillasse, moi, maintenant. Bon, la piote. La musique ne s'arrête pas. Bon, je vais aller chercher de la bouffe, là. Ça, c'est pas la peine. On va continuer avec ça. Bon, ok. Ok. Ici, I need to use the keys. Ça veut dire qu'il y a des clés à trouver là ou. It's too dangerous to walk outside. Ouais, ah, il y a encore une plante là. Bon, vas-y, je l'embarque. Ok, là, il y a rien. Ici. Non plus. Ça c'est quoi? Ok, rien. Je crois qu'on est good. Bon bah on va aller faire la peau. Bah putain, mais je peux plus me barrer en fait. C'est quoi ce délire? Je ne peux plus me barrer. D'accord. D'accord. Censé trouver des clés peut-être ou. Je vais retourner dans la piole de la mer. Il y a quelque chose qui a dû bouger, franchement. Alors c'était où? C'était là, je crois. Ouais. Avec la clé. Putain, la clé pique. Merde, c'était quelle porte que je pouvais ouvrir avec ça déjà? Tiens, je peux aller là. Ah. Hey. Intéressant. Bon, bah, du coup, je vais aller balancer l'herbe rouge dans le freco. Dans le freco. Hop. Hop.
qu'on va aller utiliser la clé. Alors c'était où? Bon, je vais refaire toutes les portes parce que je suis plus sûr. Donc, c'est pas celle-là déjà. C'est pas celle-ci. Bon, ça doit être au rez-de-chaussée. Donc il y avait l'espèce de cellule là, la tôle. Il n'y avait pas une porte à ouvrir là. Voilà, il y a deux portes. Alors, voilà, c'est là. Ah, c'est beau. D'accord, alors il y a sûrement la clé du van. Ouais, c'est ça. Une belle bagnole américaine. Une pompe. Une cartouche de pompe. Ah, la bagnole. Ah putain, vache, c'est cool ça. Attends voir. Ah putain, j'ai plus de place. Bon, il y en a trois hein, quand même. Bon, allez, vas-y. On va faire 2-3 allers-retours. Oh, tiens, les potes qui reviennent maintenant. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop faim. Je vise bien. Oh. De pute! Casse-toi! Merde! Mais putain! Bordel de merde! Tirez-vous! Merde! Oh putain, je n'ai pas de demi-tour, évidemment. Le demi-tour n'est pas permis. Putain! Truc de merde! Ah, la vache de la vache de la vache! Putain! Il n'y a personne, il n'y a pas de balles, il n'y a rien du tout. Bon, allez, je monte. Putain, j'ai grillé pas mal de balles. Hein. Ça fait un peu chier, mais bon. Bah, il fallait que je monte. Là, ça, cette espèce de truc de merde, je vais le foutre là. Bon, bah, du coup, l'arc, je le dégage. Je vais aussi bouffer, peut-être pas le spray quand même, peut-être pas maintenant. Toc. Alors, il me restera une cartouche. Vas-y, on s'occupe de tout mettre en place. Toc, alors on va mettre ça à la place d'une herbouze rouge. Je vais prendre. Non, ça va pas aller ça. Ça ne va pas aller. Bon, tu sais quoi? On va prendre plutôt ça. Toc. Et ça. Non. On va mettre ici à la place là. Voilà. On va se démerder comme ça. Ouais. Sachant qu'il y a 3 herbes vertes, comme ça je prends en bouffe. Vas-y, hop, allez. Celle-là pour commencer. Putain, je suis toujours en intention quoi. Bordel. Qu'est-ce que c'est que ce what the fuck de délire de merde? Et hop. Allez, vas-y, toc. Hop. Allez, on va aller se refaire un petit mélange. Attends, il n'y avait rien d'autre là? Non, non. Non, je crois pas. Allez, on dégage. Monde qu'il y a dans cette baraque, n'empêche, les zombies arrivent tous d'un coup, tu sais.
par là. Tac, 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 tac. Allez. Bon, alors je vais le garder quand même avec moi, ça, et puis je vais reposer le spray. Admettons, je vais reposer le spray. Voilà. Est-ce que j'enregistre un petit coup ou pas? Ouais, vaut mieux, hein. Ouais, vaut mieux quand même. Il en reste 4 là. On peut le faire à l'aise. Voili voilou. Ok. Voilà. Allez. Donc on va ressortir cette fois. On va aller démarrer le van. Modeur, ça devait être un fan de camion, de van ou quoi, à démarrer. C'est déjà le deuxième. Putain, c'est pas possible, mais. Donc c'est la fille. Faut absolument le train. Je vais parler. On est en train d'affronter de perdre le king dans tout ça. C'est une femme, quoi. D'accord, je peux pas. Bah non, mais laisse tomber, quoi. Tu crois peut-être que je vais pouvoir lui faire la peau avec ça? Bon, je vais attendre encore un peu. Ouais, non, mais n'importe quoi, n'importe où. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieux? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le troisième boss que je me tape sur ce putain de parking, là. Enfin, sur ce putain de devant de maison. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Heureusement que j'ai enregistré, hein. Ouais, bah la vache, si j'avais su. Wow. Gros truc de gros, gros taré, quoi. La vache. Après le père Bergin en robe de chambre, voilà, quoi. Bon, alors du coup, on va choper ça. Évidemment, on va choper quoi d'autre? On va choper ça. On va choper. Il va falloir de la bouffe, hein, mon pote. Hein. Il va falloir de la bouffe. Hein. On viendra prendre la clé après, et puis c'est tout. Alors, ouais, c'est un peu goupillé, un peu à l'arrache, là, quand même. Je trouve. Bon, attends, je vais bouffer ça. Voilà. Hop, on va prendre l'autre. Il va foutre 3 boss, hein, quand même, là. Bon, voilà. Allez, on y va comme ça. On va commencer directement par prendre ça. Ah, la vache. Bah, c'est pas possible, ça doit être la fin du truc, c'est pas possible. C'est la fin. Bah il est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quand j'ai la clé sur moi que ça fait le script là? Ah oui, hein, je crois que c'est ça. Putain, alors ça veut dire que je suis obligé de choper la clé. Bah écoute, on va la mettre à la place des petites balles de merde là. Hein. Ouais, on va faire ça. Putain, c'est pas possible ça. C'est la clé qui lance un script. Ok. C'est ça. C'est
Attention, cavaliste politique. Oh putain! Eh merde! Bon, faut que je fasse attention, il faut que je bouffe très rapidement en fait. Je bouffe rapidement. Alors on recommence. Putain. Oh la vache, les, c'est fin what the fuck là. C'est un truc de dingue. Alors. En fait. Ah la vache. Hop. Vas-y, la mitraillette, elle est où? Hop. Voilà. Ah bah non, ça peut pas être la fin parce que. J'ai encore la charge explosive avec le détonateur, donc ça peut pas être la fin. Pas encore. Je bouffe ça. Je vais reprendre le spray. Pff, c'est à ce moment-là que j'aurais dû enregistrer en fait. Il reste 3. Il faut que je bouffe à temps. Voilà, c'est ça le truc. Il faut que je bouffe à temps. Et il n'y aura pas de problème. J'ai la clé. Ouais. Donc je me fais toucher 2 fois et je bouffe. Faut pas que, faut que je fasse le con. Ça va me gonfler, ça. Ça va me gonfler. Ça va me gonfler. Puis il faut attendre. Là, je ne peux pas passer cette merde de cutscene à la con. Tout comme je peux pas passer la cutscene quand il arrive, quoi. Quand on voit. Ça, c'est limite, c'est un peu lourd. Surtout quand on perd comme ça. Putain. Merde. Je sais pas si je vais avoir la patience de continuer ce truc. Sérieux. Parce que là, c'est la fin, c'est quand même un peu du grand n'importe quoi, quand même. De se bouffer les 3 boss là. 3 boss dans le jardin de la baraque. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je réessaye une fois et puis voilà. Je crois que. Peut-être j'essaierai de lui faire la peau à part, mais. Voilà. Ouais, si j'essaie un petit peu plus au shotgun.
même de la patate, hein, machin. Bon, je vais essayer, ouais. On va essayer de vider les cartouches, les 7, sur la poire. Puis après, on continuera avec la mitraillette. Ah, c'est juste casse-couille, quand t'arrêtes pas de perdre comme ça. J'attends combien de secondes, là, avant que ça s'y mette? C'est casse-couille. Quoi. La vache. Bon, d'accord, j'ai compris. Je ferai comme ça maintenant. Ok. Non, mais what the fuck. Bon, c'était vraiment une histoire courte, quoi. C'était vraiment très court. J'ai même pas pu faire sauter les rochers avec le... avec la charge explosive. Bon. Écoutez, il faudra que je fouille un peu mieux. Peut-être. Ah, c'est marrant quand même. Hein. Ah. Item box. Ouais. Bon, voilà. On aura vu ce que c'était que le mode Destiny. Voilà. Are you sure with that... Ah merde. Pardon. On va save quand même. Save. Claire B. Ouais, d'accord. C'est sûrement avec ça... enfin, avec cette sauvegarde-là qu'on peut acquérir donc l'espèce d'arme de taré, là. You can play hard scenario. Ouais, mais il doit y avoir un gros paquet de zombies ou je sais pas quoi. En tout cas, le coup de l'arc là, c'était excellent, franchement. Il y a des bonnes armes quand même. L'arc et le fusil à pompe, truc de taré quoi. Il y avait moyen de bien s'éclater avec ça. Bon, après, ouais, ça, c'était un peu what the fuck, quoi, les trois boss à la fin dans le jardin. C'est quand même un truc de taré, quand même. Truc de cinglé. Puis bon, vu qu'on connaît le jeu, on sait bien que c'est Birkin, quoi. On sait bien que c'est pas la piotte ou la mère. C'était Birkin en robe de chambre, quoi. Voilà. Bon, bah, je vais monter tout ça. Ça fait même pas une heure, ça, en fait. Hein. Et puis, bah, voilà. On aura jeté un œil... à ce sacré Destiny là, et bah, je vais voir s'il n'y a pas un autre mode du coup. On va tous les faire avant de se former à la gueule. Bon, allez, à bientôt les petits abonnés.